Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'un petit changement dans mon fonctionnement, mais je vais également te montrer un petit peu ce que j'entends par aider les filleuls. Alors accroche-toi bien et on voit ça juste après le générique. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à ma chaîne, d'être de plus en plus nombreux à aimer mes vidéos, à laisser des petits commentaires. Ça me fait énormément plaisir parce que ça prouve que mon travail vous plaît. Et aussi, je voulais remercier tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure. Malheureusement, tout n'est pas parfait. Moi-même, j'ai appris de mes erreurs. J'ai fait une erreur que j'ai longtemps faite, à savoir que je n'ai pas pris le temps à chaque fois de contacter les filleuls pour mettre en place un appel visio. Pourquoi un appel visio? Tout simplement pour avoir déjà un contact plus humain. Vous voyez mon visage, je vois votre visage, je vous entends, vous m'entendez, et on peut se poser des questions et il y a une interaction qui se fait. C'est quand même beaucoup plus sympa que de regarder une vidéo et se dire peut-être, tiens, là, ça, j'ai pas compris. Un autre souci aussi, c'est que dans mes différentes vidéos, je parle d'Emrys. Mais parfois, je parle d'un point bien précis dans une vidéo et je parle d'un autre point bien précis dans une autre vidéo. Et ça fait que tu n'as peut-être pas forcément l'ensemble des données pour savoir si oui ou non Emrys est fait pour toi. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai changé mon fonctionnement et j'ai décidé de, en premier, avant de vous inviter vraiment à rejoindre Emrys, eh bien, en fait, faire un appel visio. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous bouffer votre temps, c'est pas pour vous casser les pieds, c'est simplement présenter le site internet, montrer les possibilités qu'il y a, vous expliquer qu'Emrys est un bon plan multi-enseigne, déjà pour commencer, parce que certains se lancent parfois dans l'aventure juste parce qu'il y a une enseigne et passent à côté d'autres enseignes. C'est également pour vous expliquer les différentes possibilités qu'offre la coopérative, mais également pour vous montrer précisément les différences entre les différentes licences, vous expliquer les erreurs à ne pas faire sur Emrys. Et enfin, pour insister aussi que c'est du long terme, que ce n'est pas du court terme. C'est-à-dire, si tu veux vraiment te lancer dans un bon plan, que tu veux du crédit d'achat immédiatement, Emrys, malheureusement, c'est pas fait pour toi. Par contre, si tu as une vision long terme et que tu te dis, OK, je vois ça comme un investissement, je me dis, OK, je me lance dans Emrys, je regarde ce que ça donne, je fais mes courses en passant par Emrys et on revoit ça d'ici 3, 4, 5 ans, eh bien là, tu auras, à mon avis, une agréable surprise. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ces appels visio, alors avec tous les derniers qui ont rejoint mon équipe et avec ceux qui m'ont répondu parmi les anciens. Donc déjà, j'ai ce fonctionnement-là qui devrait me permettre d'éviter d'avoir des membres qui rejoignent mon équipe et qui finalement laissent tomber au bout de un ou deux mois. Et moi, ça me met mal à l'aise parce que je me dis, merde, c'est peut-être que mes vidéos ne sont pas claires ou c'est peut-être que mon discours n'est pas clair ou qu'il y a eu un malentendu. Et c'est pour ça que si on fait un appel visio, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez au sujet de la coopérative, j'y répondrai. Et si vous n'êtes pas convaincu, on peut couper court à la discussion et vous pouvez me dire, écoute Alain, je pensais que c'était autre chose, c'est pas grave, il n'y a aucun souci, je prends pas mal. Faut mieux que ce soit comme ça plutôt que de se lancer dans une aventure et de se dire au bout de 2 ou 3 mois qu'est-ce que je fais là. J'espère que ça évitera des potentiels malentendus. Si je vous fais aussi cette vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu une petite preuve de choses que je fais au quotidien dans l'équipe. Je vous ai toujours dit que pour l'instant, le crédit d'achat que moi je gagne par Emrys, je le réinvestis dans mon équipe. Certains vont dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais en fait, la raison est toute simple. C'est je vous fais avancer plus vite. Comme ça, j'avance également plus vite. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, plus souvent vous vous cyclez, plus vous me rapportez des points carrière. Donc, c'est donnant-donnant. Et moi, je vise le rang carrière. Je ne vise pas gagner les 10 centimes par-ci ou une commission d'inscription par là. Non, moi, je cherche quelque chose qui est beaucoup plus périn sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je cherche le rang carrière. Alors, c'est aussi pour ça que je suis actuellement sur le compte de ma femme et vous aurez certainement remarqué ici au niveau de l'icône ici, elle est devenue enchanteur. Et oui.
Alors, c'était pas prévu au départ, mais en discutant avec ma propre plan, eh bien, en fait, je me suis rendu compte que toutes les actions que je faisais pour mon équipe, c'est-à-dire lorsque je décidais de vous booster, de vous faire un petit cadeau de bienvenue, mais en fait, ça rapportait des points, mais ces points carrière étaient disponibles directement sur moi, n'étaient pas disponibles dans une de mes branches. Or, c'est les branches de l'équipe qui font que les points carrière sont valables pour cette personne. Alors bon, ça c'est un peu un discours technique enchanteur, mais c'est simplement pour dire en gros tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec mon compte, et en fait ça ne me servait strictement à rien. Et c'est pour ça que maintenant je le fais avec le compte de ma femme. C'est un peu plus compliqué pour moi, mais au final c'est exactement la même chose, ce qui permet à certains de cycler plus vite que s'ils étaient peut-être dans d'autres équipes. Alors, qu'est-ce que je fais en général? Eh bien, en fait, lorsque j'ai du crédit d'achat, je lui transfère de temps en temps du crédit d'achat qui vient de mon compte, et avec son compte, je fais les actions nécessaires que je faisais avant avec mon compte. Je vais souvent regarder dans mon équipe, donc ici les arbres de fidélité, et je regarde les parts les plus anciennes de mon équipe. Donc là, moi, j'ai déjà fait le travail en amont, donc j'ai déjà trouvé une personne qui, dans mon équipe, a consommé ces derniers temps et qui est à 90%. Et moi, ici, j'ai 6 Emrys Coin et je vais pouvoir utiliser ces 6 Emrys Coin pour ajouter une part dans son arbre fidélité pour que cette personne cycle plus rapidement. C'est-à-dire, elle va cycler là, dès que moi, je vais faire cette action. Donc, cette personne va gagner du crédit d'achat. Elle va gagner une part de niveau 1 qui viendra se placer sur l'arbre le plus ancien non cyclé de la personne au-dessus d'elle, et une part de niveau 2. Et donc, en fait, cette personne sera forcément plus satisfaite d'Emrys parce qu'elle se dira, ah, tiens, ça avance tout seul. Et l'idée aussi, c'est que finalement, les parts se mélangent. Parce que si tu es vraiment tout seul à faire ton arbre, c'est moins intéressant. Donc, je vais chercher une filleule ici. Naturellement, je vais devoir masquer les noms qui apparaissent ici parce que tout le monde n'a pas envie d'apparaître dans mes vidéos. Et je cherche la part la moins ancienne non cyclée. Donc là, ici, on voit qu'il y en a une qui est à 90%. Donc, je clique là-dessus. Et là, on voit bien que finalement, bon, il y a un certain mélange. Donc, on voit des codes couleurs. Bon, après, le vert, ça signifie que c'est une personne qui est en dessous de ma femme ici. Et en violet, c'est une personne qui est encore en dessous. Donc, il y a quand même un petit peu de mélange qui se fait. Mais on va un peu booster ce mélange, c'est-à-dire en rajoutant ici de nouveau une autre couleur. Donc ici, je dis que je veux placer une part en dessous. Donc, ce n'est pas offrir une part, c'est simplement se placer en dessous. C'est faire un boost de 10%, c'est-à-dire mélanger cet arbre de fidélité-là avec une de mes propres parts. Donc une nouvelle part que je vais générer. Donc ici, je dis que c'est une part à moi et je clique sur le bouton créer pour l'ajouter. Parfois, lorsque j'ai des filleuls qui rejoignent l'aventure et lorsque je décide de faire des petits cadeaux, bah, il peut arriver que je mette un filleul là en dessous pour que justement pour que ça se mélange mieux. Donc du coup, cette part-là est cyclée, lui a rapporté du coup 9 euros à cette personne. Cette personne a également gagné une part de niveau 1 qui s'est placée ailleurs, une part de niveau 2 qui s'est placée ailleurs, et du coup devrait être encore plus satisfait de ce bon plan fidélité. Moi, ça me fait également rapporter quelques petits points carrière. Bah, tout le monde est content. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne le répéterai jamais assez, si toi aussi tu veux profiter de ce bon plan multi-enseigne disponible pour tous tes achats, que ce soit tes courses alimentaires, ton essence, tes meubles, tes loisirs ou même tes vacances, et que chacune de ces dépenses te rapporte du pouvoir d'achat afin qu'à terme tout ceci te coûte de moins en moins cher grâce au crédit d'achat que te redonne la coopérative, alors n'hésite plus et envole-toi dans l'aventure Emrys en cliquant sur le lien de la description de la vidéo et rejoins les plus de 100 000 membres déjà dans la coopérative. Ainsi, tu rejoindras une équipe dynamique qui t'aidera à avancer. Pour ne rien louper concernant ce bon plan, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Nous avons aussi un groupe Facebook et d'autres moyens de communication où il y aura toujours quelqu'un de disponible pour te répondre. Je t'invite aussi à me contacter directement sur les liens qui s'affichent en ce moment à l'écran et s'il le faut, nous ferons un appel téléphonique où je répondrai à toutes tes questions. Tu l'as compris, tu ne seras jamais seul et tu trouveras toujours quelqu'un pour te répondre. Ce n'est pas rejoindre quelqu'un qui te laissera tomber, mais bien quelqu'un qui t'aidera et sera là pour toi. Sur ce, bienvenue dans l'aventure et à une prochaine. Ciao !